l'état où l'enfant est mort. Alléluia. Et là, il est mort. Tiens, il est là-bas. La Bible dit que Élisée a donné sa canne à Géasi. Va, présente la canne sur le visage de l'enfant. Mais puisque Géasi ne croit pas, le miracle s'est pas opéré. Élisée est arrivée, qu'elle est arrivée. La Bible dit qu'elle s'est couchée sur l'enfant et le miracle s'est produit. Alléluia. C'est pourquoi j'essaie de dire quelqu'un ce soir. Alléluia. Quelque part, tu avais un ministère, mais ton ministère est mort. Alléluia. Quelque part, des choses. Dieu te montrait des choses. Tu entends. Aujourd'hui, ce que Dieu te révèle, tu ne vois plus. Aujourd'hui, ce que Dieu te montre, tu ne vois plus ça. Mais c'est aujourd'hui que Dieu va activer ce don en toi. Et tu connaîtras la différence entre celui qui a l'onction et celui qui n'a pas l'onction. Alléluia. Tu vas me dire. J'ai quelqu'un à vivre. Si quelqu'un a pris l'engagement, quelqu'un t'a dit dans le secret, c'est dans ma main. C'est ce que je suis en train de mon esprit. C'est comme si quelqu'un a après dit qu'après le passage de papa, l'église sera pour lui. Amen. C'est-à-dire que si Dieu l'a enlevé, c'est lui qui se positionne. Amen. Amen. Mais l'église n'appartient pas à quelqu'un. Ça appartient à Dieu. Alléluia. Amen. L'église appartient à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu, c'est le moment de s'élever. C'est le moment d'avancer et de prospérer. C'est le moment de regarder au devant de nous rappeler. Mais regarde ce que tu vas commencer avec toi aujourd'hui même. Aujourd'hui même, ce soir même. Regarde ce que tu vas commencer avec toi. La vie est comme le passage d'Élisée a produit un miracle. Mon passage va produire. J'ai dit ça à une maman qui a le ministère prophétique. Ce matin, elle s'élève pour aller puiser l'eau. Elle est arrivée demain. Elle a déposé la cuvette. Elle a commencé à prêcher de 6h du matin jusqu'à midi. Les gens sont venus la voir. Tout ce que tu as dit là, tu as parlé de nous. Tu as dit quoi? Et quand elle est vraiment déchirée, elle a des problèmes dans le billet, elle a des rencontres. Amen. C'est pas le moment de dormir, mais c'est le moment de s'élever. Parce que Dieu a confiance en vous. Et si Dieu a confiance en vous, nous aussi, on a confiance en vous. Alléluia. L'Éternel a confiance en vous. C'est pourquoi il vous a confié l'église. Il vous a confié l'église. Il vous a confié. Nous devons le faire. Ça va repartir. Je vois l'Éternel assis sur son trône et son piège siège. Où je peux. Il est mon fils. Et mettre ça sur tension. Parce que